Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous parlons de DAB là. Gabi, elle s'entend bien, le rouge. Gabi, le rouge, elle s'entend bien. Christophe, elle s'entend bien, toi? Ok. Non. Non, pas 20 personnes qui entendent bien, non, là. On fait un petit bac, moi. Là, on ça. On ça. Nous parlons de bonsoir. Bon son. Ok. Aïe, n'est pas venu dire bonsoir. Nous dérapez. Bonjour. Bonsoir à tous. Eh bien, depuis qu'on a été bien content qu'on là, ça fait un plaisir quand même. Eh bien, on a bougé quand même. Eh bien, on bon là. On va déplacer, on va bouger. Et c'est mon boy, c'est là. Il y a une bonne manifestation là, le matin là. Il y a un monde qui a manifesté là. Il y a un monde qui va manifester devant le Congrès. Alors, on va parler de ce qui a passé d'abord. Le président Biden est actuellement en Israël. Côté Ligue pour lui rencontrer, côté lui rencontrer avec l'autorité israélienne, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans le cadre fort, justement pour le support aux États-Unis. Ba Israël qui n'ont guerre avec Hamas. Alors nous dit que n'ont guerre avec Hamas parce que justement après attaque surprise que Hamas a lancé sur Israël dans plusieurs villes israéliennes samedi 7 octobre là, donc Israël en retour Israël est attaqué et Gaza qui s'est parti territoire Gaza qui s'est basiquement base militants à masse. Donc, en fait, plusieurs attaques ont lancé sous différents bureaux, offices, etc. Et puis, hier, c'était le dernier quoi, un mortier qui tombait dans l'hôpital et dans le territoire Gaza. Donc, tous les parties qui sont en conflit ont été responsabilité à sur l'autre. Hamas dit que ce n'est pas lui-même, et c'est Israël qui est responsable. Israël dit que ce n'est pas lui-même, c'est un groupe militant djihad, donc groupe militant et djihad qui dans Jordanie qui tient un moitié qui mal guidé ou bien un moitié qui perdit route et qui a tombé sur l'hôpital là. Donc chaque parti a la responsabilité sur l'autre là. Donc président Biden visité, il rencontre avec le premier ministre Netanyahu. Alors celle ça qui vient en visite président Biden non, c'est un mini sommet qui de déroulé entre président Biden avec leader président égyptien et Al-Sisi et Abdel et Al-Sisi gen président autorité palestinienne Mahmoud Abbas avec Oa Abdullah et ben rencontre ça acte de déroulé dans Amman et ben rencontre ça li renvoyer ou bien li annuler tout simplement. Le président Biden qui vient pour bah en conférence de presse tout il dit que il vient pour rencontrer parler avec leader dans Moyen-Orient surtout dans monde arabe là pour parler avec eux par téléphone pour en façon que capable diffuser bien diminuer risque gain pour que guerre ça capable simay pendant ce temps il y a une manifestation tout gain un groupe Hezbollah qui est basé dans le Liban et qui gain support et Iran, et bien, il était dans appel pour que je dise à la population, monde arabe, tu prends la rue à manifester. C'est comme ça, tu as une manifestation en Jordanie, tu as une manifestation en Tunisie, tu as une manifestation tout dans Cisjordanie, et avec quelques autres côtés, tu as une manifestation justement pour te protester contre l'opération israélienne. Mais il y a tout effort qu'il a fait actuellement pour permettre que l'assistance humanitaire rentre dans Gaza, il a semblé son bail qui est réalisé. Et puis tout, et pour permettre à la population qui est bloquée dans Cisjordanie, par exemple, il y a des étrangers qui sont bloqués dans le territoire Gaza, qui sont aimé évacuer, ou bien qui est l'autre côté, qui n'ont pas vraiment pu déplacer. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour que étrangers ou bien encore la population qui est bloquée dans le territoire Gaza, pour qu'ils puissent déplacer. Bien que Israël lui-même demande pour que les partis quittent le nord pour entrer vers le sud. Mais nous voyons que les dernières nouvelles nous font connaître que Israël a accepté pour que l'assistance humanitaire entre à partir d'Égypte pour entrer venir dans le territoire Gaza pour venir des gens qui ont besoin ou des gens qui ont nécessité, etc. Et il y a un pile camion qui est chargé avec assistance humanitaire, soutien dans de l'eau, vêtements et médicaments et tout ça, ils ont bloqué sur la frontière, ils ont obtenu autorisation. Bon, il a semblé des nouvelles, que
et Israël a accepté pour être ça rentré et à partir de l'Égypte pour rentrer venir dans le territoire Gaza. Et puis bon ça n'a pas donc nous parlons de, et puis la Chine a organisé un forum et son forum qui est aussi important et là dans en marge de forum là le président chinois Xi Jinping qui a rencontré avec le président russe Vladimir Poutine. Et puis, sommet à son sommet, et ceinture, un programme que la Chine gagne pour rentrer dans la construction de route dans ces deux pays, surtout en Amérique latine avec l'autre côté, et bien, et c'est important ce programme ça qui est censé capter un certain sujet. Et puis, il y a tout, Canada. Canada a organisé un forum avec le pays CARICOM, c'est surtout un forum qui a gagné là-dedans l'investissement, etc., pour gagner là-dedans sur la question de sécurité pays CARICOM, et pour entre Canada avec eux-mêmes, mais là-dedans tout le sujet Haïti qui a rentré dans le sujet à tout, qui parle sous tapis à tout. Et le premier ministre Ariel Henry qui quittait Haïti depuis hier avec le ministre des Affaires étrangères là. Et puis, en plus de ministre des Affaires étrangères là, il y a un membre et au conseil de transition qui s'en sont participé dans et qui vit dans voyage à tout avec le premier ministre Ariel Henry, rappelons qu'il y a en pile opposition locale quand en pile appel à continuer à lancer pour demander pour le démissionner à cause de pour mettre pour le accolter dernier accord signé dernièrement demandé pour être d'accord pour le remettre pouvoir le 7 février 2024 et parti concerné dit que il parle au bar ça fait au contraire même dénoncé l'assemblée que une tentative que le premier ministre a fait pour s'il ta l'autre accord encore pour ta ballon extension et parti politique surtout aidé qui c'est parti politique ancien ministre des étrangères Claude Joseph a dirigé ben il dit que le 7 février il faut que Ariel Henry est allé parce que pas de provision encore pour lui être comme premier ministre parce qu'il était promettre pour faire élection pas faite donc c'est ça qui passé là qu'on y a là et puis bientôt délégation l'OEA qui font tourner déjà sous foncier haïtien et dominicain. Je me rappelle que c'était sous demande de la République dominicaine, l'OEA a été réunie dans Washington pour étendre des conflits et verbales qui ont été avec la République dominicaine sous construction. Il y a un canal qui a été construit que l'autre dominicain a demandé pour camper parce qu'il pensait qu'il a violé les règlements, il a violé l'accord qui a été avec la République dominicaine, puis qu'il a été dit que c'est douane, c'est pour faire la construction du canal alors que la République dominicaine a déjà construit 12. Donc, il ne pas comprendre pour ça que les Dominicains couchent en quoi contre l'idée. Ça a forcé les autorités dominicaines à fermer les frontières Haïti partagée avec eux, que ce soit voie maritime, voie aérienne et terrestre. Eh bien, Kounia Dominicain ouvre les frontières terrestres là pour Haïti qui acheter. Et Haïti a campé sous Benzing. Ils ont dit qu'ils ne pas l'acheter. Dominicain mettre là avec manger dans le ils ne pas l'acheter. Mais l'autorité dominicaine, dans la déclaration même que le président de Sabinadel fait récemment, il était quoi que Haïti a pu acheter. Il dit pour lui-même, il faut aller vers pour Haïti, il acheter. Et Haïti a dit qu'il ne pas l'acheter. Alors, concernant la délégation, l'OEA qui visitait déjà et qui survolait les frontaliers là pour garder ça qui a passé dans rivière massacre là ou bien rivière d'Arabon là et bien et c'est pas ça qui te dit parce que délégation te doit aller tout bon côté haïtien tout pour la garder construction canal là bien il faut qu'a fait tout pour que veiller à ce que construction canal là bien fait pour pas gagner bouche l'ouvrir pour pas gagner des ordres si l'eau descend pour pas craser etc. Donc en plus l'eau a réglé mais et délégation là et t'assemblée jeudi à table de rencontre même sous frontière même entre membres autorités haïtiennes avec quelques membres de la population justement sur question ça et l'eau a pour aller dans zone nous par contre s'il y a sorti de la République dominicaine puis revenir sous frontière ou bien si après entrer en Haïti puis aller du côté de Hanoï puis regarder ça nous par contre qui en ça fait. Et puis, nous disons que le Canada a rencontré la fête tout. Et le dossier Haïti a été dans le calendrier. Donc, c'est une rencontre qui est surtout basée sur le Canada, CARICOM, relations, investissements, questions économiques, questions de sécurité qui a fait. Mais le dossier Haïti a tout venu là dans le tout. Et puis, il y a une autorité dans Kenya qui a fait des efforts pour convaincre, pour demander au Parlement, pour lui autoriser. Et pour mission spéciale, sécurité spéciale qui pour aller en Haïti, pour aller des polices nationales combattre l'insécurité, il y a un gouvernement lui-même qui a demandé par exemple pour lui autoriser. Donc, le 24 cap vini là, il y a un tribunal qui peut prononcer sur question.
En attendant, pour le passé, il était dit qu'il était fond campé. Et sous dossier, il m'a demandé l'autorité de le 24 avant de prononcer, mais tout le gouvernement en même temps qu'il a demandé. Et puis pendant que l'on s'appelle tout pour dire que Kenya n'a pas de moyens économiques assez pour que lui-même lui dirige une mission pareille, il a demandé que la communauté internationale apporte une contribution économique pour permettre qu'il fasse mission. Et puis il dit que pour eux-mêmes, pour Kenya, c'est une belle expérience parce que ça permet de bénéficier d'expériences militaires ou de soldats ou de police, l'autre pays qui a habité à participer dans la mission la paix ou la mission international. Donc, c'est un dossier que tout le monde a suivi. Mais en Haïti, il y a des gens qui chauffent, qui chauffent la captante que la mission militaire a venu, au moins pour qu'elle crée la paix ou mette de l'ordre divin, Negaméo qui continue à opérer sans aucune. Continue à opérer sans inquiétude. Donc, c'est ça. Et puis, ici, aux États-Unis, on a dit que les tentatives qui a fait l'ancien député à Poutégon. Pour James Jordan, ta jeune. Et alors, James Jordan, son député James Jordan, qui est des candidats que les républicains ont désigné pour une Speaker of the House, eh bien, tentative, deuxième tentative là, deuxième vote à fait là, eh bien, monsieur perdu encore. Monsieur perdu, mais il a semblé que la parole continue encore pour lui, jusqu'à ce que, en attendant, pas gagné un Speaker of the House, ça veut dire les pas gagné Speaker. Dans la Chambre des députés, eh bien, toute activité, toute bagarre campée par grand rien qui a fait tout autant que celui qui n'est pas là pour faire cette bagarre marcher. Il y a un peu de dossiers qui ont souffert, il y a par exemple dossier dossier Israël, le conflit Israël à Massa qui a souffert parce que Israël a besoin de l'assistance militaire que les États-Unis promettent. Il n'y a pas rien pas qu'à faire, il y a tout dossier tout, et Ukraine. Et ça, c'est parmi d'autres dossiers qui sont censés en souffrance. Et puis, sous frontière Mexique, là, eh bien, pas de gouvernement qui fait. Les immigrants continuent à priver sous frontière, puis ils sont capables de demander asile, puis capables d'entrer aux États-Unis. Mais les États-Unis toujours disent que la frontière est fermée. Mais pas rendez-vous, mais jusqu'à présent, on attend parce que bientôt, il y a un tribunal, un juge. Et dans Texas, qu'il y a un guide pour prendre une décision, ou pour l'annoncer une décision concernant et pour l'annoncer une décision, si ou non, programme les programmes humanitaires Biden, si programme ça qui pour quatre pays, Haïti, Cuba et Venezuela avec Nicaragua, et bien, est-ce que le programme ça l'a continué ou pas? Parce qu'il y a un groupe État républicain. Eh bien, ils ont demandé pour que le programme n'ait campé et je suis là pour prononcer sur question ça. Donc, c'est comme ça, balaye, donc, ou même, quand vous avez dit, prends patience. Pour les gens qui font application déjà pour venir aux États-Unis dans le programme ça, qui bon, et au maximum 2 ans qu'on va passer dans le pays, bon, prends patience. Si parce que là, pas renouvelé, ça s'est renouvelé, on ne va pas me connaître. Ce sont 2 bandes qui font pour, on va me connaître qui les 2 bandes sont capables d'agréer. Et puis tout, si on doit le faire pour attendre, il faut prendre un petit patience, tout, pas courir, ou bien on va dire, bah, rien pas tomber, il ne faut pas me dire qu'il est bah, à tomber pour. Donc, prendre patience. Voilà, c'est ça qu'on a dit. Et puis, je dis à nous, on n'a pas l'empile surtout de programmes qui ont passé dans le Moyen-Orient, de guerre, moi, je n'ai pas l'empile de manifestations qui ont fait. Et puis, il y a une actualité, il y a un gros cas, il y a gardé des dômes là, un gros tête, dômes, il y a gardé des dômes là, qui c'est. Et le Congrès, il y a un gros bail qui passe dans là parce qu'il y a des députés réunis là pour essayer de désigner un nouveau président pour la Chambre des députés qui va remplacer Kevin McCarthy. Il y a un groupe, et les rebelles, je ne sais pas si c'est rebelles, mais un groupe et députés républicains qui étaient ensemble avec les démocrates, et bien, il était capoté, monsieur, dans ce poste là, et depuis ça, et chef de député a cherché un nouveau président. Il y a Steve Carlis qui passait, monsieur pas bon. Et il y a Jim Jordan qui est sur la deuxième tentative. Li. Donc, il y a une troisième tentative qui peut le faire là. Donc, nous ne pouvons pas connaître ça. Et l'Assemblée a décidé ou pas essayer de voter en faveur parce qu'il a besoin de 217 voix pour qu'il vienne prochain Speaker of the House. C'est le troisième personnage dans la ligne présidentielle États-Unis. Donc, après, il y a le président, vice-président, et puis le Speaker of the House, qui est le troisième personnage politique dans le pays. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, réjournée avec la Voix de l'Amérique, restez branchés sur nous,
et Valeyo au Canada, en Ottawa, à côté sommet et Canada, CARICOM a déroulé. Donc, c'est un premier ministre qui est allé depuis hier. Donc, monsieur et l'autre bois, donc, c'est un valeur apporté en pile bail pour nous. Et puis, il y a tout et vote qui est pour faire dans le congrès. Et puis, il y a tout et visite que le président Joe Biden a fait dans. En Israël, dans Tel Aviv particulièrement, quand il est déjà rencontré avec les responsables, mais il est pour rencontrer avec les autorités concernées, justement, pour voter. Parce que justement, visite là, c'est côté support, bail et. Nous, un paquet de bus qui a passé des domaines là, il était certainement un paquet d'activités dans le Congrès là, il y a des gens qui ont manifesté là. Pour quelque chose de raison, il y a une pile d'activités qui ont déroulé là. Dans Washington, nous connaissons pour mon central. Politique américaine, ben, gen moun la di matin ka manifesté bon ici à tout, et puis température j'en baissé kounya là. Comme dit ça. Bon après-midi tout le monde, n'a pas aller.